You go with this one? So long. Okay. You go with this lady? Okay. It's okay, let's go. It's okay? Let's go. You go with this one? Ils ne nous ont pas maltraités. Ils nous ont traités de manière très humaine. Humaine? Vraiment? Oui, je veux dire qu'ils nous surveillaient. Ils nous donnaient à boire. Quand ils voyaient que nous étions nerveux, ils nous calmaient. C'était très effrayant, mais personne ne nous a traités violemment. Quand on sort de la maison, je vois 5 ou 6 otages morts allongés par terre. Les terroristes les ont abattus? Non, ils ont été tués par les tirs croisés. Vous devez comprendre qu'il y avait une fusillade très très importante. Donc nos forces les auraient abattus? Sans aucun doute. Quand ils ont essayé d'éliminer les ravisseurs du Hamas? Ils ont éliminé tout le monde, y compris les otages. Parce qu'il y avait des importants échanges de tirs. J'ai été libérée vers 5h30. Les combats ont pris fin à 8h30. Après de longs échanges de tirs, 2 obus de tank ont été tirés sur la maison. C'est une petite maison de kibbutz, rien de grand. Vous l'avez vu aux informations? Oui. Ce n'est pas un grand endroit. Et à ce moment-là, tout le monde a été tué. Comment ont-ils tous été tués? Par les échanges de tirs. Échanges de tirs? Donc cela pourrait être de nos forces? Sans aucun doute. Vraiment? C'est ce que je crois.